Znajdujemy się przy ulicy Franciszkańskiej 3, przed wejściem do Pałacu Biskupów, gdzie już za chwilę zostanie podpisana umowa między Spółką Światowych Dni Młodzieży, Spółką Orange Polska oraz Archidiecezją Krakowską. Umowa ta pozwoli na lepszą komunikację młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży. Umowa, która dzisiaj została podpisana, jest owocem listu intencyjnego, który został podpisany już kilka miesięcy temu, dokładnie w kwietniu tego roku. W liście intencyjnym wówczas Orange Polska wyraziła wolę współpracy z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Przez te miesiące trwały negocjacje bardzo konkretne, szczegółowe, które doprowadziły do dzisiejszego spotkania. Cet accord signé aujourd'hui donne beaucoup de responsabilités à la société Orange Polska puisque nous devrons construire les réseaux radio, mobiles et les réseaux fixes qui vont pour permettre de conduire, je dirais, de faciliter tout le trafic de télécommunications, voix, internet, SMS, vidéo que nous attendons et qui est attendu, je dirais, pour ces journées mondiales de la jeunesse à la fin juillet. Et pour nous, je pense que c'est pour eux, parce qu'on est une grande société en Pologne des télécommunications. On pense qu'on a une grande responsabilité sociale, je dirais, de supporter la société et les grands événements. Et bien sûr, les Journées mondiales de la jeunesse sont un très grand événement pour la Pologne et pour les jeunes d'Europe et du monde entier. Donc on a souhaité être associé, s'engager, je dirais, pour délivrer le meilleur service et pour être certain que dans le domaine des télécommunications, tout sera parfait pour les visiteurs et pour les organisateurs aussi. Et pour les journalistes, parce qu'il y en aura beaucoup à ce moment-là, je pense. Certainement, oui. Mais déjà mes neveux de France ont dit qu'ils venaient, donc je suis en train de préparer leur voyage. Je serai certainement avec eux pour les événements principaux. Pas vraiment jeune, mais je serai avec les jeunes. Moi, c'est important parce que je l'ai vu pour la première fois au mois de juin 1980, quand il faisait sa première visite officielle en tant que pape en France. Et j'ai participé à la messe des jeunes. À l'époque, j'étais un vrai jeune au Parc des Princes, au stade du Parc des Princes. C'était un événement qui m'a beaucoup ému et dont je garde un très grand souvenir encore aujourd'hui. Donc, je veux dire, je m'appelle Bruno Dutoit et je travaille dans la société Orange en Pologne et je veux lancer un appel pour tous les jeunes, en particulier de France et de Pologne, mais aussi tous les jeunes d'Europe et du monde qui pourraient m'entendre, de venir participer aux Journées mondiales de la jeunesse, donc fin juillet. Je crois que ce sera un événement extraordinaire, une grande fête collective, une grande fête religieuse. Donc venez, parce que aussi la Pologne et Cracovie, c'est très sympa.